il y a beaucoup de marques et d'agences médias digitales qui viennent me voir et qui me disent qu'ils sont frustrés. Et pourquoi ils sont frustrés ? Parce qu'en fait, les KPI du marketing ne sont pas le business réel, ne sont pas les ventes. Et c'est de ça dont on veut vous parler ce matin, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui le font. Et on a un cas très concret avec Renault au Brésil et l'accompagnement de 55 dont on va vous parler ce matin. Vous lisez bien, Renault au Brésil a mesuré une augmentation de 9% de ses ventes à budget marketing constant. Comment on sait ça ? Parce que la technologie qui a été utilisée, c'est en fait une suite marketing intégrée, Google Marketing Platform, à laquelle on a branché le CRM de Renault, en l'occurrence Salesforce. Donc quand on dit qu'on a augmenté les ventes de 9%, c'est parce qu'on a été capable de mesurer ce qui s'est passé en concession et qu'on peut affirmer que 9% de voitures en plus ont été vendues grâce à ce projet. Donc c'est très important comme impact business, évidemment. On a aussi mesuré par ailleurs des coûts de lead qui ont diminué de 30% sur certaines campagnes. Pour nous en dire plus, Laurent, est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux de ton métier, des enjeux d'un constructeur ? Je peux le faire, oui. Alors, avant tout, je vais juste revenir sur le schéma distribution dans lequel on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est essentiellement en B2B2C, c'est-à-dire qu'on vend la majorité de nos véhicules à travers un réseau de concessionnaires qui sont des groupes privés indépendants de Renault. Et en fait, on a donc un schéma de distribution en deux temps. Le premier temps, c'est une conversion en ligne. On va aller chercher le visiteur qui est sur Internet et on va essayer de le transformer en un intentionniste, c'est-à-dire quelqu'un qui va émettre un avis, un intérêt sur l'un de nos produits. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, évidemment, ça va être de transformer le lead dans une vente de véhicules neufs dans des concessions. Donc en fait, par rapport à ça, notre enjeu, en fait, c'est nous adapter à des consommateurs qui ont changé leur façon d'acheter des véhicules neufs. Et en fait, vous voyez qu'en moins de 10 ans, on est passé en moyenne de 5 visites en concession avant l'achat d'un véhicule neuf à moins de 1,4 aujourd'hui. Donc de 5 à 1,4. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que derrière le choix du prospect, il se fait essentiellement sur Internet. Et d'ailleurs, 80% des leads que l'on traite proviennent d'Internet. Donc ça représente finalement pour nous deux défis. Le premier défi, il est assez simple, c'est comment optimiser finalement cette acquisition sur Internet, et notamment sur la partie média. Et le deuxième défi, c'est de faire en sorte d'envoyer des leads dans notre réseau commercial qui aient la plus grande probabilité de transformer en vente. Donc un parcours consommateur qui est devenu pratiquement intégralement digital, et pourtant des silos entre données on et off. Effectivement, c'est très souvent le cas, puisque là, on a un certain nombre d'actifs commerciaux. On a le site, on a les médias pour l'acquisition de trafic, et puis les concessions. Et chacun de ces actifs va collecter de la donnée, dans le meilleur des cas, mais ces données ne communiquent très peu entre elles. Ce qui fait qu'il est impossible de vraiment trouver une optimisation et dynamiser la vente au meilleur coût. Donc ce qu'on a souhaité faire, et surtout ce qu'a souhaité faire Renault à travers ce projet, c'était de construire une vision complètement end-to-end, donc depuis le média online jusqu'à la concession offline, pour bien comprendre les parcours et ensuite pouvoir activer les consommateurs. Et c'est quelque chose qui est encore relativement rare, sur lequel on a pu, grâce à la technologie, mesurer un impact réel, comme tu l'évoquais tout à l'heure. J'ai une petite question quand même. Oui, n'hésite pas. Tu es un acteur mondial, tu as choisi de se faire ce projet au Brésil. J'ai ma petite idée sur le pourquoi. Tu veux que je te dise pourquoi ? Ouais. Ouais, c'était pour aller au carnaval de Rio, en fait. Copacabana, tout ça, ça faisait rêver. Non, en fait, on est allé au Brésil pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord le poids du Brésil pour Renault, hein, puisque le Brésil, c'est soit dans le top 3, soit dans le top 5 des marchés du groupe. Donc forcément, c'est quelque chose d'important. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en fait, on avait un terrain favorable. Un terrain favorable, pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, toute la ligne hiérarchique au niveau de la direction commerciale et particulièrement côté marketing, était en attente, était gourmande, je dirais, de tester de nouvelles technologies pour essayer d'améliorer leur efficacité. Donc ça, c'est vraiment un point important et je pense qu'il ne faut pas négliger.
On parle de techno depuis ce matin. Ce qui est super, ce qui est primordial pour réussir ce type de projet de transformation, c'est finalement le sponsorship du management. Donc ça, on n'en parle pas suffisamment, ça reste humain, mais c'est un facteur clé de succès. Emmanuel en avait parlé, Yann aussi. Jérôme, est-ce que tu peux nous raconter du coup un peu ce projet ? C'est, comme l'évoquait Laurent, un projet qui est porté par une vision, par un sponsor et qui a beaucoup d'impact sur l'ensemble de l'entreprise. Donc dans ce type de projet, on a trois axes sur lesquels il faut vraiment passer du temps. Le premier, c'est la technologie et le traitement de la donnée. Le deuxième, c'est le changement dans l'entreprise et ses process. Et puis le troisième, c'est de pouvoir démontrer que tout ce qu'on a fait a eu un impact. Donc pour commencer par la partie technologie et données, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on a souvent un problème, même pour les actifs en ligne, de connexion entre la partie média, la partie site, par exemple. Ici, on a eu de la chance, on a pu utiliser un stack qui était complètement intégré, ce qui fait que les données pouvaient communiquer dans les deux sens, en fait, entre la partie média et la partie site. Donc ça permettait de faire de l'attribution sur le site, mais également d'activer des audiences sur le média. La difficulté, ça a été de reconnecter ça avec le silo offline, celui des concessions. Donc là, il a fallu utiliser le CRM des concessions, remonter les données dans Salesforce, qui est relativement facile, et ensuite utiliser un connecteur natif avec Google Analytics pour pouvoir collecter toutes les données ensemble et avoir cette vision end-to-end. À la fin, ce qu'on récupérait, c'est dans Google Analytics une vision de tous les parcours clients, depuis le média jusqu'à la transformation en concession, et on pouvait mesurer la performance de cette conversion. Alors, ça nous a permis ensuite d'activer ces audiences, alors de plusieurs façons. Hein, le plus facile, c'est, ou le plus évident peut-être, c'est qu'on a pu voir des segments dans Google Analytics qu'on a pu ensuite renvoyer vers le média pour cibler certains publics. Et l'autre, c'est qu'on a pu avoir une vraie visibilité sur la performance économique de toutes les campagnes et donc faire des arbitrages sur les médias. Mais tout ça, ça a l'air relativement simple et la technologie nous a beaucoup aidé pour le faire. Par contre, c'est un vrai process compliqué. Il a fallu aligner beaucoup de parties prenantes pour ce projet. Parce que, comme je l'évoquais, il y a les différents silos, ce qui veut dire qu'il a fallu aligner l'agence média, le marketing local, le marketing central, les concessions. C'était un projet qui demandait beaucoup de changements dans l'entreprise. Puisque tu parles de changement, en fait, le deuxième pilier du projet, c'est la culture et le process. Alors moi, je vais m'attarder juste deux minutes sur cet aspect-là. Finalement, le projet sur la partie culture, ça, finalement, le fond du sujet, c'est comment passer d'une culture de mesure en last click en une culture qui va s'appuyer sur une mesure sur l'attribution, sur des modèles d'attribution, donc du MTA. Donc finalement, ce projet de changement culturel des équipes opérationnelles, on l'a effectué en quatre temps. Le premier temps, ça a été la formation, l'explication. Finalement, c'est quoi un modèle d'attribution, comment ça marche, comment je peux le mettre en place, comment je peux l'utiliser. Deuxième phase, ça a été de la mesure. Donc sur un temps assez long, finalement, on a observé, on a mesuré ce qui se passait sur les campagnes au Brésil. Et là, on a fait tourner plus d'une dizaine de modèles en parallèle. La troisième phase, ça a été de choisir avec les équipes opérationnelles, finalement, les quelques modèles qui représentaient le mieux les use cases de Renault au Brésil. Et enfin, la dernière phase, ça a consisté finalement à accompagner les équipes locales pour voir comment on exploitait ce type de mesures, comment on allait rechercher finalement des pistes d'optimisation, des insights qu'on allait mettre en œuvre derrière. Donc ça a été sur la partie culture, sur la partie process. En fait, on a passé beaucoup de temps à comprendre quels étaient les process de mesure, d'analyse, d'optimisation des campagnes médias avant l'arrivée du projet. Et on a fait en sorte finalement d'intégrer le mieux possible notre projet d'attribution dans les process existants. Et enfin, pour essayer de bien s'assurer que l'ensemble des acteurs du projet avaient compris ce qu'il fallait faire, qu'ils avaient bien compris les grandes notions, on a accompagné les équipes locales sur deux vagues successives d'optimisation de manière à être certain que le process était bien compris et pourrait être exécuté.
Puis après, il a fallu démontrer que tout ça avait eu un impact. Et oui, c'est important. Oui. D'ailleurs, c'est celui qu'on a montré en début de présentation. Donc là, à nouveau, c'est un process qui prend du temps. Il faut aligner tout le monde et pouvoir s'appuyer sur la technologie pour identifier quelles ont été les actions qui ont été menées et voir exactement quel a été leur impact par rapport à la globalité de Renault. Alors j'ai un exemple en tête avec le Captur. Tu te souviens probablement de ce cas-là. Ouais, tu parles de la Renault Captur, oui. Oui, oui. Où on avait avant le projet deux campagnes qui généraient à peu près le même nombre de leads, des leads qui coûtaient à peu près le même prix, et donc on se disait que tout était bien dans ce monde. Et en fait, après l'étude, on a pu voir qu'en réalité, une des campagnes avait un taux de conversion qui était deux fois plus élevé que l'autre en concession. Donc on a pu faire des arbitrages sur ce type de campagne, par exemple. Et à la fin, on a isolé ce qui n'avait pas bougé, de ce qui avait bougé. Et c'est ça qui nous a permis de mesurer le plus 9% de vente de véhicules dans les concessions. Toujours en travaillant avec les agences, avec les équipes locales, avec les concessionnaires et puis avec les équipes de Laurent. Donc techno, culture, mesure de l'impact. Beaucoup de travail qui a été fait. C'est quoi les prochaines étapes pour toi sur ce projet et ce chantier ? Avant de parler de prochaines étapes, je pense qu'il faut parler des challenges. Ouais. Moi, j'en citerai trois. Le premier challenge, d'abord, c'est de s'assurer que le projet est véritablement ancré déjà au Brésil et que ce n'est pas un feu de paille et que ce qu'on a fait va finalement durer dans le temps. Le deuxième challenge, vous le voyez, c'est de déployer le projet sur l'ensemble des filiales de Renault. Donc, je vous rassure, on n'a pas que 5 filiales dans le monde. Hein. Mais donc du coup ça c'est un vrai enjeu de transformer ce projet en at scale comme finalement c'est le mot à la mode en ce moment. Et puis le troisième challenge qu'on a mis en évidence pendant le projet, finalement c'est un sujet de cohérence des rythmes de vie entre le online et le offline. Donc le online, évidemment, vous le savez aussi bien que moi, on est sur du pilotage des campagnes médias qui sont pas en temps réel mais qui sont, je dirais, très proche du temps réel. On a vraiment besoin d'être très réactif, alors que sur le offline, on est sur des durées de conversion qui sont entre 30 et 40 jours. Donc vous voyez bien qu'il y a une incohérence entre les deux rythmes de vie. Et donc c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons qui a fait que finalement on a décidé de développer et de lancer une app mobile qui est à destination des vendeurs de nos concessions, de manière finalement à très vite pouvoir interagir avec le prospect, je dirais quasiment sans délai, et pouvoir très rapidement remonter des informations offline sur le online, de manière finalement à enrichir nos campagnes et être le plus réactif possible. Donc vous voyez, ça c'est le troisième challenge qu'on a mis en évidence. Il y en a eu d'autres. Hein. J'imagine. Donc piloter le marketing à la voiture vendue, ça vous a permis en fait d'avoir une efficacité média visible et très importante. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire maintenant ? Oui, ça nous permet d'aller plus loin parce que, en fait, pour faire tout ça, il a fallu faire un énorme travail de cleaning de data, de désilotage des data. Donc, on a vraiment remis en ordre beaucoup d'informations. Évidemment, on travaille sur ce que vous avez vu tout à l'heure, sur de l'IA, sur du scoring, etc. Donc, plein de choses qui sont très sympas et qui vont venir. Et évidemment, la compréhension des parcours clients, ça nous permet déjà d'aller sur la personnalisation, tout bêtement. Tout bêtement, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de prérequis et un énorme chantier de transformation. Jérôme, on a vu ce qu'a Renault. Est-ce que tu vois d'autres applications ? Je pense que ce qui a été fait chez Renault est assez emblématique de la problématique de toutes les grandes marques qui sont distribuées par des réseaux massivement offline et qui parfois ne leur appartiennent pas. Donc mettre en place cette logique d'attribution et de vision end-to-end, c'est quelque chose qu'il est désormais relativement facile de faire, dans le sens où les outils sont là, mais il faut derrière mettre en place toute la politique d'acquisition de données, tous les process et le change management. Donc je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup d'industries avant d'aller sur de prochaines étapes avec l'IA. Top. Donc vous l'avez vu, en fait, besoin d'une marque qui ait l'ambition de se transformer et de faire remonter ses données réelles dans ses systèmes, besoin d'un cabinet expert pour les accompagner. Nous, on croit beaucoup à ce partenariat-là et on vous remercie de votre attention. Merci. Merci.